Oui, merci. Donc, je suis là pour, en tout cas, participer à cette manifestation qui nous démontre en fait comment est-ce que le pays est en train de se faire accepter un peu partout. Parce que si nous comparons rien que la cérémonie qui s'est passée ici au Congo lors de l'investiture du président aujourd'hui qui est réélu pour un deuxième mandat. On constate qu'il n'y avait pas assez une affluence concernant la communauté internationale, mais aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a le Congo commence à attirer et attirer davantage de gens. Bon, aujourd'hui, c'est une fête parce que nous avons massivement voté notre président et aujourd'hui, nous sommes uniquement venus pour célébrer ce moment et dire au monde que c'est vraiment quelque chose pour nous de très intéressant et que nous espérons bien que ce deuxième mandat sera vraiment la concrétisation de tout ce que nous avons comme espoir et tout ce que nous plaçons comme espoir dans, bien sûr, dans les chefs du président. Aussi, nous avons notre part que nous devons l'accompagner dans chacun de ses actes, dans chacune de ses décisions. Nous allons faire de sorte que ce deuxième mandat soit meilleur et que bon, le Congo soit encore plus fort, plus fort, plus fort. Que ce soit sur le plan continental ou à l'international. Ok, merci. Est-ce que moi, je suis en train de me faire un peu de temps? Pendant 18 ans, on connaît que ça va se faire. Mais fais ça, il y a 4 ans pour que ça se fasse. Moi, je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Moi, je suis en train de me faire un peu de temps. Il y a des serments, ils allaient tout ça, pour participer à la prestation de serment, il y a le président Mokongo Zamboka. Je suis Pérez Makassi, nous sommes bien. Merci. Kabila est en jazz, ça a 18 ans. Et bon moment, il y a un moment les années. Oui. Mon ambition, vraiment, ce matin, en est que le président Fatih vient d'être réélu par son peuple. Alors vous-même, vous voyez ici que le stade de Martyr vient d'être vraiment rempli dans 3 heures. Alors ici, nous sommes vraiment émis dans la joie pour donner cette majorité écrasante à notre président Fatih Béton. En tout cas, Chilombo. Papa, tu es là, on a le képi. On a bien. Moi, je suis un homme qui a fait des mandats. Je suis 14 mandats. Et je suis un policier, un militaire. Très propre. Je suis un transporté. Je suis un transport depuis 4 heures. Je suis docteur Papi. Je suis un transport pour un fait. Deuxième président Fatih Béton, il y a Maman Denise.
naleli vraiment naleli mon cousin a aidé doua mon cousin a aidé mon cousin biso taide pes présent la section Badara on a manifestation biso c'est moi le président Fati. Donc on travaille sur ma classe, il y a au moins là, on va te bêler, on va soutenir le président Nabisso. Donc on a ses peines dans la police Nabisso, donc le militaire Nabisso, on va la tirer bien, vraiment. Donc vraiment, c'est peine dans ma classe. Tout ça, on essaie, on va Fati, donc tout dit tombe à Gaja, donc dit Fati, dit 2050, dit Mobutu, tout le monde est encore à Mobutu. Nous sommes ici pour la prestation des serments de notre très cher président Fati Béton. Donc tout ça moi ne sais pas si quand on a 4 martyrs, on a beau qui ok négota là on a non on a pas non et autant on est à en live donc j'ai aimé vraiment l'armée et puis sur la position côte à terre mais quand les lobes bien tenu ma mon là donc tout moi ne sais pas Fati Béton pour la peine merci Makasi d'abord la chef de l'État on a deuxième mandat de deux la CPL Makasi pour l'armée congolaise très propre tout ça très fier na bango. Que c'est pour notre deuxième mandat parce que deuxième mandat on te souhaite qu'il y ait vraiment dans ma boko nzambe et puis il y a un moko congolais décidé à yakota là de événement où que s'est passé à nakata stade des martyrs na yangwana que te souhaite ma bonne chance la deuxième mandat ya chef de l'État que du loco à promettre peuple et récit yango toyé à nakata stade des martyrs to vivre un biso moko événement d'abord on s'appelle pour l'armée congolaise propre parce que représenter vraiment image ya Congo. Il y a propriété, il y a sécurité. Merci beaucoup pour l'armée congolaise, merci beaucoup pour le chef de l'État. Na bosangiso sangisa Congo chaque fois zo linga toujours to sala bomoko. Merci Bélé Pena pour la bana nyonso ba ya Congo. Fati Béton numéro 20, le est le 20 janvier 2024 azo prêté serment na yena kata stade des martyrs. Tout le peuple congolais aza na stade des martyrs. En tout cas pour la Fati toujours Béton. Ouais, bon, l'impression est claire. Nous sommes un parti politique qui est allié à l'IDPS. Nous sommes à l'Union Sacrée. Bon, nous nous sommes battus pour la réélection du chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes très contents, très satisfaisants du score qu'il a fait. Il a bâti à un score très lourd de 73%. Alors, nous sommes très contents. Voilà pourquoi, sous le label et l'ordre de notre autorité morale, l'honorable Bernard Petiotto, nous sommes venus représenter le parti pour montrer encore une fois de plus au chef de l'État que nous sommes toujours avec lui et nous serons toujours avec lui. Nous nous sommes sacrifiés, nous nous sommes battus pour sa réélection. Nous lui avons donné la majorité qu'il cherchait longtemps. Alors maintenant là, nous sommes très contents de cela. Voilà pourquoi nous sommes venus. Nous avons dit qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons toujours là pour lui soutenir, pour l'accompagner. Voilà cette motivation. Mais bien sûr, pourquoi pas être content? Nous qui avons fait en sorte qu'il puisse avoir ce mandat, nous la jeunesse surtout, ainsi que notre parti politique, nous étions là au four et au moulin. Je pense que vous avez les images par-ci, par-là, où nous avons bâti campagne ici et à l'intérieur du pays pour qu'il soit réélu pour la deuxième fois. Nous sommes très contents et nous pensons que ce mandat, c'est vraiment une bénédiction pour la jeunesse congolaise ainsi que la population congolaise en général. Oui, to sepeli la sepeli to telemi libosoa to ye na estengo mingi. Donc ici, je voudrais un peu plus parler na Ikela ou bien na Kitete là. Na yo ki ya ba nango ya tien, ana le ngo tien. Te kolonga no ngendo, te ali lo salu nda réélection. Maintenant, pour prendre la République, Félix Tshilombo, tu as eu le salaire là. On s'est battu, tu as eu le salaire là, bon, compétition. Et puis, quand on a eu le mandat, on a eu le combat qui est eu le salaire là. Mais il y a eu le salaire là, tu as eu le salaire. On a ramené ce qu'il fallait ramener. C'est pourquoi, nous avons eu le message, il y a eu le salaire là, il y a eu le salaire là. Les schémas, 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 les schémas,
Isso, Toyari, Bantoba est derrière président Félix Tshisekedi Tshilombo. Toyari, parti Yari, membre de l'Union Sacrée. Donc, combat est Mokena solo, victoire, Béali Benissou Mathieu, bien que la députation, tu as encore un recours, mais tout là, d'ici peu de jours, bon annonce beaucoup de Titilanto. Banango yache banda banda shema ba ari wuri wuri ba melo salu ba kembe combat est aussi le pouvoir et alendiso kana mboto pona la bolo écoute ngona katandiso et la si shema merci beaucoup. Mbotende kona ngai ne to za boye mité manabiso nyo se tondisa mine sengo comment la été mo konzambo ka zongeli susu manda na epo na mbala ya mibale biso so to za na sengo parce que ezali o to sala ki sur terrain réussite wana yango to e comment na sko nenge le loiseau prêté serment alors to za na sengo biso na bande ko na biso nyoso ya le schéma et longona autorité morale na biso Bernard Petiotto to za li sanga yango to e ko force wana sur place. Merci. Bonjour, Mdeko Nanga Mopanzi Sango. Merci Mopanzi Sango. Na motuno tuni wala yi malamu mingi pona koloba ete yo oyi ewa na itendo ya Stade Marti yo moko yi komo na nenge population yi mobilize na nenge mokonza mboka yi kopote serma lelo pona nenge ya yo mokonza yi sika mbala imbala kamati na ituluko wa Kongo. Allo, biso baike to sepeli mingi na ndenge mokonda mboka kamati ya pouvoir apesi na population lo bia sembeli nzambe tiki mboka na mboka nzambe atuke sele biso malamu mingi yo moko ina kati stade martio ko mona ndenge population nyoso immobilisé atuka esengo makasi tami na bai kongole nyoso tu ba sepeli mingi na ndenge mokonda mboka kamati ya pouvoir ya mandami balé to pesi chance biso kongole te bia te mokonda mboka ko sa malamu. Oh, biso bana changu tu ebona kola fachi beto. Ola poza biso azui. Changu. Poza biso. Changu. Bana kete. Changu. Sali vraiment. Sali vraiment. Changu. Changu. Thank you.
Azoka ma mozolo bate ma gelil. Tunae, tunae. En tout cas, Aloba est un malin parce que tu as vu que Félix Tshisekedi te travaille ma casse pour te passer un deuxième mandat. En tout cas, c'est moi ma casse pour le lot pour participer à l'investiture. Parce que tout le monde qui a ma casse. Autant que non, mon conjoint a un projet à Malamou et quoi est que c'est Bissot Congolais. C'est pour cette occasion que nous sommes venus ici participer dans l'investiture de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc merci beaucoup. Thank you.
Interview. Bonjour, messieurs. Bonjour. Oui, la pression est immense pour toute la nation de renouveler la confiance à leur président de la République avec l'octroi des deuxièmes mandats. Et il n'y a rien à dire, il est question de voir seulement cette vivacité, la mobilité ainsi que la mobilisation de la population autour du deuxième mandat de leur président de la République. Est-ce que vous êtes content pour le deuxième mandat de la République ? Très très content, même s'il nous était même demandé de revoir notre constitution, nous devons le revoir afin qu'il soit là pour aider son peuple. Parce qu'il a une mission qui n'est résumée que dans son cahier des charges, énumérer le peuple d'abord. Donc cette mission, il doit l'accomplir fidèlement, loyalement. Quel est vraiment votre dernier mot de nous, les peuples congolais qui sont contre le deuxième mandat du président? Bon, ils sont nos frères congolais, nous ne pouvons pas les renier ou les rejeter, mais ils se sont trompés les cibles certainement, ils ont mal calculé leur adversaire. C'est l'heure du peuple, c'est le peuple qui s'est exprimé derrière cette vote massive en donnant le deuxième mandat au chef de l'État. Quel est ce Congolais maintenant, digne de son nom, de père et de mère, qui peut refuser ce mandat qu'on vient d'octroyer au président? Mes chers frères, que vous soyez de l'opposition, je ne sais pas moi, des indépendants, ayez votre souffle, laissez le deuxième mandat être exécuté à la lettre par le président de la République, que moi j'ai eu à surnommer les doubles portions de la République. Merci beaucoup. Toujours. Maman, il y a cette caméra. Tu vas m'assumer, Mystique.